Familienupdate 2023 ist eine Veranstaltung, wo ganz viele Familien auf Freiburg kommen, wo alle Kinder wieder ein Lächeln auf den Lippen haben und miteinander ganz viele verschiedene Sportarten hier erleben können und einfach eine gute Zeit haben. Und ich bin einfach nur glücklich, um hier Teil davon zu sein. Ja, es macht sehr Spass, hier mit den Kindern heute zu ziehen und ihnen etwas zu zeigen, ein bisschen Uni-Hockey spielen und mit ihnen einfach Freude haben. Es macht Spass, eben sie auch zu sehen, wie sie Freude haben, und das ist das Wichtigste. Bah, merci à Green Hope déjà de nous avoir reçu les joueurs de Fribourg-Gotteron. C'est toujours un plaisir de pouvoir voir autant de sourires sur les visages des jeunes, et on sait que c'est pour la bonne cause. Donc nous, de pouvoir participer à un tel événement, c'est vraiment réjouissant pour nous, et puis on est super content d'être là. Questa giornata è molto bella perché è un momento di condivisione, una giornata passata insieme per il piacere di stare insieme, per il piacere di fare un po' di sport tutti insieme e condividere un momento di serenità e di tranquillità. Le Green Hope Day 2023 à Fribourg, une super expérience pour les familles, pour venir faire la connaissance de la patinoire depuis l'intérieur, faire du sport, se mesurer à des joueurs professionnels de hockey, à des entraîneurs professionnels de basket, donc une super journée pour les enfants et les adultes. Alors tout simplement, voilà ces petits mots pour partager comme quoi l'impression d'aujourd'hui, c'était vraiment génial. Le fait de partager des matchs de hockey avec des enfants qui viennent de partout. Hein. Pour ma part, j'ai pas l'allemand ni le français ou un petit peu, enfin l'italien pardon. Et du coup, c'est super sympa de pouvoir partager ces moments avec eux. Et quand on joue au sport avec n'importe quelle langue en fait, on se comprend et c'est juste génial. Donc une journée vraiment top et vraiment à refaire s'il y avait à refaire.